Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV, God with us. Toujours câblé avec nous sur Emmanuel TV, la chaîne qui édifie votre foi. Nous allons vous faire la traduction du message de l'homme sage Harry pour le service d'aujourd'hui. Le message est intitulé « L'épreuve de la foi ». Nombreux d'entre nous aujourd'hui sont sans foi et sans espoir parce que tout semble contraire à nos ententes. Par exemple, lorsque nous espérons la percée dans nos affaires, nous recevons la régression. Au lieu de la bonne santé, nous expérimentons la maladie. En ce moment, Satan est là, prêt à faire usage de toute situation comme appât pour nous piéger dans la ruine éternelle. Satan est là et vous demande, où est votre Dieu? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi ne maudissez-vous pas simplement Dieu et vous mourrez? Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que dans l'Esprit de Dieu, vous êtes créé pour être une personne à succès. Parce que dans Jérémie 29, au verset 11, la Bible dit, je cite, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fin de citation. Ceci veut dire qu'en tant que chrétien, l'échec n'est pas un mode de vie, mais une épreuve de foi. Les épreuves sont le domaine dans lequel la foi de l'homme se développe. Mentionnez tout champion de la foi dans la Bible et ils vous diront combien de preuves de foi ils avaient endurées avant qu'ils ne soient élevés à un nouveau niveau dans la vie. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu choisit ce que nous traversons, nous choisissons comment le traverser. Alors, si vous souffrez, si vous êtes humilié, haï, triste, pauvre ou désespéré, rappelez-vous une chose, pas de blessure, pas de réussite, pas de douleur, pas de profit et pas de preuve, pas de promotion. Ceci veut dire que votre vie doit commencer avec une blessure si vous voulez réussir et devenir important. Ceci nous conduira au message d'aujourd'hui intitulé « L'épreuve de la foi ». Aujourd'hui, nous allons jeter un regard sur la vie de Joseph dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 37, du verset 23 au verset 33. Je cite « Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. » Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, je cite, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Fin de citation. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Rouben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'avis de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Fin de citation. En nous référant à l'écriture que nous venons de lire, nous pouvons voir que les frères de Joseph, d'abord, l'ont déshabillé et ont déchiré ses vêtements. Deux, ils l'ont jeté dans la fosse sèche, dans la citerne. 3. Ils l'ont vendu pour qu'il devienne esclave. 4. Ils ont manipulé la seule preuve de son existence en imbibant son vêtement dans le sang d'un bouc. Et 5. Ils ont menti à leur père et l'ont laissé conclure que Joseph a été dévoré par un animal sauvage. En ce moment, rien ne pouvait être pire pour Joseph. Il fut enlevé des bras chaleureux de la maison de son père vers les bras froids de la société. Il arrive un temps dans nos vies où nous nous sentons comme si le monde autour de nous tire à sa fin. C'est dans des situations critiques comme celle-ci que nous savons qui est un homme de foi. Être simplement chrétien ne signifie pas que Satan ne peut pas vous attaquer parce que tout ce qui est proche de Jésus reçoit des attaques.
La question est, êtes-vous préparé à lui faire face? La préparation fait référence à la gestion de l'esprit. Que voulons-nous dire par gestion de l'esprit? Regardez par exemple le cas de Joseph. Lorsque Joseph fut jeté dans la citerne, nous n'avons jamais appris qu'il commença à pleurer, ni qu'il perdit la foi et qu'il commença à blâmer Dieu. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a tenu bon parce qu'il y avait une voix dans son cœur qui le préservait, qui l'encourageait et qui lui donnait la force nécessaire de vaincre la situation dans la citerne. C'est pour cela que Joseph ne regardait pas vers le bas, mais regardait vers la haut et contemplait l'œuvre merveilleuse de Dieu. En résumé, le voyage de Joseph a commencé de la maison de son père à la fosse sèche, de la fosse sèche à l'esclavage, de l'esclavage à la prison et de la prison au trône. Enfin, il s'est retrouvé dans la position d'influence et était capable de se réunifier avec sa famille. L'expérience de sa vie nous enseigne deux choses. Primo, aussi longtemps que perdure un mensonge, la vérité triomphera un jour. Deux, la position d'influence doit débuter avec la souffrance. Elle a commencé, dans le cas de Joseph, par une blessure, c'est-à-dire être vendu comme esclave, et il est devenu une perle utile. Quelle est votre fosse sèche en ce moment? Vous dites que vous n'êtes pas dans la fosse sèche, mais vous êtes malade. Cela veut dire que votre maladie est votre fosse sèche. Vous dites que vous n'êtes pas un esclave, mais vous êtes pauvre. Votre pauvreté, votre régression et votre déception représentent votre esclavage. Le prêt bancaire que vous luttez pour rembourser, mais qui refuse d'être soldé, représente votre condition d'emprisonnement. Mais souvenez-vous d'une chose, Joseph n'était pas resté dans la fosse sèche, il a avancé. Ceci veut dire que votre fosse sèche, votre esclavage et votre condition d'emprisonnement ne sont pas votre destination. Votre destination, c'est le trône. Dieu n'a jamais promis de nous garder des épreuves, mais il a promis de nous en affranchir. À travers vos crises, Dieu est ce que vous avez besoin qu'il soit. Il est prêt à aller dans la fosse sèche, dans l'esclavage, dans la prison, dans le feu et dans la vallée de l'ombre et de la mort avec vous. Pour conclure, mesdames et messieurs, vous vous sentez humilié, triché ou êtes-vous dans la souffrance? Vous pouvez compter sur les ressources de Dieu et devenir une perle utile parce que les choses brisées deviennent utiles dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant possède tout ce dont nous avons besoin, mais cela vient avec une étiquette. Ainsi, vous devez être prêt à traverser un peu d'inconfort pour expérimenter un nouveau niveau dans la vie. En tant qu'un homme de vision, la patience, la persévérance et l'endurance sont vos outils. Utilisez-les continuellement. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur et qu'il vous donne la grâce de tout supporter jusqu'à ce que vous ne soyez glorifiés enfin dans le nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'était le message d'aujourd'hui de l'homme sage Harry. Nous osons croire que ce message a touché votre cœur. Vous pouvez continuer par nous suivre sur www.emmanuel.tv ou sur notre site internet ou nous suivre directement sur votre chaîne de proximité Emmanuel TV. Bonjour chez vous et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page. And for those from within Nigeria, you can call the three visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address, info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.